Salut les amigos. Voilà, aujourd'hui c'est une partie de pêche sur l'Orblève, sur un spot que je connais un petit peu puisque j'ai pêché il y a quelques semaines dessus. Donc ben, les conditions n'étaient pas tout à fait similaires, il y avait plus de courant. Bon, on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui dans des conditions un peu différentes. Ça y est. C'est fait. Et pas ce que c'est. T'en es un? Il s'est décroché. T'en es un, hein? Il y est. Le fil est accroché. Je prends mes pinzettes. Non, savez-vous. C'est gentil. C'est maintenant tout beau. Voilà, il était pris là. Juste. Un magnifique barbou, une bonne septantaine de centimètres. C'est une belle bête, hein. Joli barbeau d'une soixantaine de centimètres.
Voilà. Hop. Magnifique. Encore un barbeau de près de 70 cm. Nous sommes début octobre et l'eau est déjà relativement froide. Le poisson qui tombe dans le filet, ça, il le pousse. Donc on a parfois des sillons qui reviennent arriver. La place à part. Pour essayer longtemps, j'ai perdu le pelé. Il reste le stock pelé. À mon avis, c'est ça, j'ai eu quelques grosses touches. Peut-être qu'ils l'ont arraché à ce moment-là. Voilà, ça devrait aller mieux avec un pelé. Avec un pelé, hein. Un petit peu plus loin, voilà. Il l'avait avalé un tout petit peu plus celui-là. Voilà, un barbeau de 62, 63 cm. Il a mordu, allez, peut-être 2 minutes après que j'ai relancé. Vous voyez, j'avais perdu le pelet, ben voilà. Le pelet au bout de la ligne, ça va beaucoup mieux. J'avais tellement d'indications de présence de poisson, je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas de touche. J'avais perdu le pelet, évidemment. Voilà, on le remet vite à l'eau. Il est vraiment pris au bord de lèvres. Voilà. Encore un splendide barbeau, 62-63 cm aussi, avec une magnifique couleur.
prochain. Et comme je l'ai pris d'autres temps, on va faire une belle photo, tu vas voir, avec le pelé au bout de l'air, regarde bien. Voilà. Parfait, merci. Donc là, il est bien pris au bord de l'air avec le pelé Robin Red. Hop là. Donc on va lui enlever. Voilà encore un joli barboune, une petite soixantaine de centimètres. Voilà encore un beau barbeau de 62-63 cm. Ils ont à peu près tous le même calibre pour l'instant. Que c'est pas impossible, vous l'avez vu sur YouTube, barbeau lover, ouais, des choses comme ça. Ouais, bah, bonjour, enchanté. On va entendre le coach. Viens, on le jette là. Viens, on le jette là. Pas 20 centièmes, quoi. En bas. Oui. C'est du 24 centièmes en bas. Déjà ? Ouais, regarde. Qu'est-ce que ça marche avec ? Ben, tu tirerais plus, non ?
Voilà. Il est pris à la libute rouge cette fois-ci. C'est souvent comme ça. Voilà un barbeau de 62-63 cm. Il a mordu directement quand le feeder a touché le fond. Voilà les amigos, la session de pêche s'achève. J'ai pêché environ 3h30, 3h40 exactement. Je le vois sur la caméra. 8 barbeaux de pris et 2 décrochés. Ça c'est une magnifique session évidemment. Je ne m'attendais pas à faire autant de poissons ici sur ce spot. Parce que la dernière fois j'en avais fait 2, mais en 1h30 je pense, et je n'ai pas pêché longtemps. Donc voilà, bon, franchement, je suis très très content de cette session de pêche. J'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. Moi, je vous dis à la prochaine fois avec moi au bord de l'eau. Portez-vous bien. Bye.